Je m'appelle Fabienne Van Troyen, je suis infirmière depuis une trentaine d'années et je souhaite aujourd'hui vous faire part de mon expérience sur les aiguilles de 4 mm. Je vous les recommande chaudement car on les utilise ici fréquemment. Elles sont plus fines, plus courtes. Nous pouvons les utiliser à la fois chez des patients qui seraient très maigres ou des patients obèses. Chez les patients très maigres, il n'y a pas de risque d'hypoglycémie car ces aiguilles sont tellement courtes qu'on ne risque pas de se retrouver dans le tissu intramusculaire. Et chez les patients qui sont en obésité, nous avons d'excellents résultats, nous n'avons aucun problème à ce niveau-là. Au niveau des fuites, au niveau du traitement, on ne doit rien craindre parce qu'en expliquant bien aux gens, quand ils ont fait leur injection d'insuline ou d'incrétine, qu'ils doivent attendre un certain temps, au moins 10 secondes avant d'enlever leur aiguille de la peau, il n'y a pas plus de complications, plus de difficultés qu'avec une autre aiguille plus longue. Si on regarde au niveau du contrôle glycémique, on constate qu'avec une aiguille 4 mm, on n'a pas de complications, on n'a pas de problème, pas plus qu'avec une 5 mm ou une aiguille encore plus longue. Les patients qui sont passés d'une aiguille plus longue à une 4 mm sont vraiment satisfaits de l'usage de leurs aiguilles et je pense ne voudraient plus faire marche arrière et retourner sur des aiguilles plus longues, plus épaisses et avec donc des injections plus douloureuses. Ils apprécient de ne plus faire de plis cutanés, c'est quand même plus facile d'usage. Donc je vous conseille, je vous invite à les recommander au niveau de vos patients diabétiques.